ici c'est Scientiste et on se retrouve aujourd'hui pour une expérience pas comme les autres parce qu'on va utiliser que deux matériaux très simples. Un verre d'eau, tout le monde l'a chez soi, et des billes cristallines. Donc vous connaissez sûrement ces billes, c'est pour parfumer votre salle de bain, toilette, etc. Donc on va voir que ces billes cristallines, dans l'eau, ça fait une réaction assez ouf. Allez, on commence. Donc, on met les billes cristallines. On va venir en verser un peu dans l'eau. Attention à ne pas en perdre parce qu'elles sont très très rebondissantes. Voilà. La misère a attrapé une. Voilà. Donc vous pouvez voir que dans l'eau, elles disparaissent. Mais quand je plonge dans l'eau, en effet, je peux les récupérer. C'est un peu l'avantage de ces billes cristallines. Dans l'eau, elles ne peuvent pas se voir. Donc cette expérience, évidemment, il y a une raison pourquoi est-ce que les billes cristallines ne se voient pas dans l'eau. C'est parce que de 1, elles n'ont pas d'effet loupe. En fait, elles ont l'effet contraire d'une loupe. Et vu que l'eau... elles ont le même effet que l'eau en loupe. Donc si vous voulez, en fait ça grossit sans grossir. C'est un peu bizarre à comprendre, mais il faut juste un peu réfléchir puis après pour comprendre assez facilement que les billes cristallines, pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas se voir. Donc c'est évidemment une illusion d'optique hein. Mais bon, c'est quand même assez ouf comme expérience, moi je l'adore. Donc vous allez pouvoir évidemment, on a un site web, c'est the-scientist2.webnode.com, .fr je veux dire. Ensuite, on a une application pour mobile. Il faut la télécharger depuis le site. Le site explique bien comment faire, donc c'est the-scientist tout attaché, .mobapp.at. Quand vous y allez avec votre mobile, le site explique comment la télécharger. Donc, ça fonctionne sur Windows Phone, etc. Android, iOS. Pour ne pas dire tout, les mobiles. Et puis, bye! C'était The Scientist pour cette expérience.